Harcelée depuis plusieurs mois par un homme sur les réseaux sociaux, Colline Ducruet a décidé de porter plainte. Selon France Dimanche, harcelée sur les réseaux sociaux par un homme, Colline Ducruet a décidé de porter plainte selon des informations de France Dimanche que Closer est en mesure de confirmer, ce vendredi 23 février. Âgée de 23 ans, la fille aînée de Stéphanie de Monaco a déposé plainte le 13 avril afin de dénoncer le comportement d'un homme qui était entré en contact avec plusieurs personnes de son entourage via les réseaux sociaux, en mentionnant son prénom et tenant des propos à caractère sexuel la concernant. Selon le procès-verbal de la direction de la Sûreté publique de Monaco daté du 12 juillet et que nos confrères ont pu consulter. L'homme en question s'appelle Christian Dupuis-Bailleul. Âgé de 42 ans, ce cuisinier de formation se fait appeler The Royal King Bailleul sur Instagram. Sur son compte, on retrouve ce célibataire sans enfant dans des montages le mettant en scène avec Colline Ducruet ou alors sur une photo où, fausse couronne sur le crâne, il a ajouté la mention « I love you Colline ». Au cours de l'année 2017, Christian Bailleul a envoyé plusieurs messages vocaux et vidéos à des proches de Colline Ducruet. Des messages dans lesquels il n'hésitait pas à insulter et même menacer le prince Albert et son fils. Convoqué par la police de Monaco en mai puis interpellé le 11 juillet dernier, l'homme de 42 ans a reconnu les faits. Ses appareils numériques, un flashball et un point américain ont été saisis. Christian Bailleul suit depuis plusieurs années un traitement à base d'antidépresseurs et a déjà fait un séjour en hôpital psychiatrique pour troubles délirants aigus en 2012. L'homme sera jugé le 8 mars prochain, toujours selon France Dimanche. Colline Ducruet espère désormais que tous ses problèmes sont derrière elle afin qu'elle puisse se consacrer pleinement au mariage de son frère, Louis Ducruet avec Marie Chevalier.